attaque éclair et style furieux. Cub, qu'est-ce que t'as fait à mon Chucks? C'est un guerrier, pas un top modèle. Désolé, Jet. Nouvelle rubrique sur Cubnet. Je montre à mes abonnés les différents skins de nos guerriers préférés. Il y en a encore des tonnes d'autres qui n'attendent que d'être débloqués. C'est super, Cub, mais moi, je dois me concentrer sur mon combat contre Ward. Ouh, le match retour contre ton grand rival, Damien Ward, qu'on n'a pas revu depuis le combat qui a déclenché la tempête de pouvoir. Tu cherchais une bonne occasion de faire un résumé, à vous. Ouais, et maintenant, je sais exactement de quoi Jet a besoin pour son match. Quoi? Encore un défilé de mode? Non, c'est encore mieux. C'est une super nouveauté de gameplay dont j'ai appris l'existence sur Cubnet. Vous savez, ça vient de la dernière mise à jour. Bon alors, laissez-moi diffuser votre entraînement et je vous raconte tout ça. Prêt à l'attaque, Split Strike! Prêt à l'attaque, Split Strike! Alors, c'est quoi cette surprise, Cub? Bah alors, je te croyais experte en tempête de pouvoir. C'est le cas. Tu as peut-être découvert quelque chose que j'ignore, pour une fois. On sait jamais. Alors, t'attends quoi pour nous montrer, monsieur l'expert? C'était quoi? Ce truc? C'est la surprise! C'est un améliorateur de Speed Strike. Mes cubonnets américains ont envoyé des informations là-dessus toute la journée. Il y en a qui donnent des bonus de dégâts, de santé, de défense ou des pouvoirs trop cool. Et d'autres, bah... Ouais, celui-là m'a surpris aussi, j'avoue. Hein? La grenouille bafouille? Je pleure de rire. Haha. Je croyais tout savoir sur la tempête de pouvoir. Où t'as appris tous ces trucs, Cub? On n'a pas le même fuseau horaire, rappelle-toi. Quand c'est le matin chez Jet, c'est le soir chez Bria et le milieu de la journée chez moi. Donc je suis au courant de tout avant vous. On obtient l'amélioration qu'après un ultime split strike. Il s'applique ensuite au guerrier suivant dans un match à 3 guerriers. Par exemple, Cryo Prime a un améliorateur de split strike de 2 points de dégâts pour les guerriers de la foudre. Donc si tu as un guerrier de la foudre comme Thunderpants après, il aura l'amélioration. Et si on lui inflige un split strike à son tour, il a un améliorateur qui renforce les guerriers du feu comme Firefoot White Waves. Waouh, Cub! Je suis impressionnée. T'expliques super bien. Presque aussi bien. Presque aussi bien que toi, c'est ça? J'ai été à la bonne école, tu sais. Bien sûr. Moi, j'aurais ajouté qu'il est important de connaître les améliorateurs de ses guerriers avant de les choisir pour un match officiel. Oui, bien sûr. J'allais justement le dire. Mais étant donné que ce n'est pas un match officiel, j'ai décidé d'utiliser de nouveaux guerriers. L'améliorateur de Tailwhip donne un bonus d'un point de dégâts aux guerriers de l'ombre. Alors maintenant, je vais jouer Shadowfire Nightblade. Il gagne un bonus de dégâts grâce à l'améliorateur. Et grâce à sa capacité spéciale, il a aussi un bonus contre les guerriers de la foudre. Quoi? On peut cumuler capacité spéciale et améliorateur? Sacrée surprise, hein? Frappe de l'ombre et du feu! Il a réduit mes points de vie en miettes! Tout ça grâce au combo d'une capacité spéciale, d'un améliorateur et d'un talent hors du commun. Lacération des ombres! Chex aussi a un améliorateur. Miroir de points de vie pour les guerriers du feu. J'ai plus qu'à trouver un guerrier du feu. Wow! Il y a un trophée qui s'appelle le style furieux. C'est vrai? Ça vient de ton défilé de mode, Cub, et ça débloque un nouveau guerrier. Fire Strike Turbo Chex! Wow! Qui sait quel genre de pouvoir surpuissant il peut avoir? Oh, moi, je le sais. Ward! C'est bien moi, ouais. Et ton Loser Strike Turbo Chucks ne pourra jamais vaincre mon tout nouveau Shadow Strike Glitch Blade. Oh, oh. Ah,
Avant que le monde ne change à jamais, je comptais parmi les plus grands boxeurs. Mais les trophées n'ont aucune valeur sur ces terres dévastées. C'est pourquoi j'ai fait fondre mes ceintures d'or pour devenir Buster Bling. Mi-homme, mi-castagneur cybernétique, 100% grabuge. Oui, ok. Ça faisait déjà longtemps qu'on le savait, ça. On jouait ensemble dans Akedo. Regarde. Nous, on veut savoir comment t'es devenu un super splitter. Raconte-nous tout, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chut. Attendez, il a pas fini son histoire. Oui. Donc, comme je le disais, j'ai combattu les démons de l'apocalypse, de jour comme de nuit, jusqu'à me retrouver face à leur maître, Monsieur Splitz. Un épouvantable mélange entre un mutant infecté et un expert comptable. Je vais t'écraser comme une mouche. Et ensuite, je taxerai tes revenus fiscaux. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis libre. Je suis libre. Bon, que quelqu'un appelle les ressources humaines. Je suis rentré de mes RTT et je peux savoir où est mon café latte. Je crois que je l'ai cogné assez fort pour expulser l'infection de son corps et la transplanter en moi. C'est comme ça que Buster Bling est devenu Buster Splitz. Ça tabasse, hein? Bim, boum, boum, boum. Un bon pivre. Si j'ai bien compris, il a un côté cybernétique qui carbure à la lumière et un côté qui carbure à l'ombre, qui serait plutôt un genre de monstre. C'est ça. Et les deux s'affrontent pour prendre le contrôle. On va combattre pour le meilleur et pour le pire. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis l'âme de la forêt et je suis l'esprit du feu. Prêt à l'attaque, Split Strike. On va livrer un combat loyal. Ça ne m'empêchera pas de faire des coups bas. Hé, hey, c'est pas du jeu, ça. Tant mieux. Je préfère jouer comme ça. Buster, oh, perds pas ton temps à grogner. Et à faire des bruits de robot. Conscience que c'est un peu cocasse de demander ça à un super splitter. Surtout quand ces deux éléments, c'est l'ombre et la lumière. Est-il gentil ou méchant? Il est tiraillant entre le bien et le mal. Je sais bien, oui. Mais Burn Down arrive très bien à combiner ces deux éléments, lui. Et alors? Tu peux y arriver aussi. Ok. Buster de lumière, analyse tes points faibles avec ton œil cybernétique. Excellente idée. Comme ça, je sais où éviter de cogner pour que ça reste loyal. Oui, c'est ça. Et maintenant, Buster de l'ombre, utilise ton monstrueux point mutant et frappe là où ça fait mal. Attends. Laisse-moi t'aider. Subir un splitter. Ton match a enflammé le Cub Net Jet. Même Ward a laissé un commentaire. Il dit que c'est lui qui t'a secrètement conseillé, Buster. Hein? Bizarre. Attends, il a dit quoi, là? Alors c'est lui qui t'envoyait des messages anonymes depuis tout ce temps? Peut-être bien. Mais pourquoi il aurait fait ça? J'en sais rien, mais on va le découvrir. Tous ensemble. Sur le Cub Net. Je voulais dire tous ensemble.
Enfin bref, est-ce que vous êtes tous prêts à l'attaque Split Strike? J'allume le feu, je deviens dangereux et je te dis adieu. J'ai assez pour acheter un nouveau guerrier. Tu vas encore prendre un guerrier dans le style de Bolt Strike Thunderwind? Brave guerrier, sage sorcier. Hein? Bah oui. Et tu joues aussi avec Firefoot White Wells. Elle est profonde et complexe. Et Tailwhip, le dinosaure parlant le plus poli que je connaisse. Enfin bon, faut dire que c'est le seul aussi. Où tu veux en venir? Bah, la plupart de tes guerriers sont intelligents et raffinés. Et si tu choisissais un guerrier comme... Voyons voir... Thunderpant, il est pas tout à fait ce que j'appellerais intelligent et raffiné. Non, mais il serait parfait pour composer une équipe à 15 points. Réfléchis, Alpha Predator Tailwhip vaut 5 points, Captain Plunderfoot en vaut 6, et Thunderpant, 4. C'est presque rien. Je suis également un fier défenseur de la vérité, de la justice et de l'art d'Akedo. Waouh, c'est quoi ça? Eh bien, c'est ma pose de la victoire, quelle question. Impressionnant, non? Non, je parlais de ce truc-là. La manette de méga frappe, gros balourd. Tu as dit balourd, tu voulais plutôt dire balèze. La petite souris va récolter tes dents à la source. C'est qui cette souris des glagos? Bug tous, ses stats sont parmi les meilleurs d'Akedo. Captain Plunderfoot, avec ta capacité spéciale, t'as un bonus de 3 points de dégâts contre les guerriers de l'ombre comme lui. Cet énorme rat de potence va aller nourrir les requins foie de pirate. Continue, Plunderfoot. Chaque coup recharge ma manette de méga frappe. Split Strike. Tiens donc, un Ratus Maximus. Encore une espèce qui est sur le point de s'éteindre sous les coups de mon méga fouet. Tailwhip, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi! J'hallucine! Au moins, son améliorateur donne un bonus contre les guerriers de l'ombre. Oui, mais la capacité de Bugtooth lui donne un point de dégâts en plus contre les guerriers de la foudre comme Thunderpant. Prêt à l'attaque, Split Strike! Rends-toi, crapule, avant que je ne te fasse fondre avec mes yeux laser et que je ne t'écrabouille avec mes pouces interdimensionnels. Ok, Thunderpant. Oublie les super-pouvoirs et contente-toi de le frapper! Ainsi soit-il, tu t'apprêtes à subir une décharge de justice! Ma manette de méga frappe est chargée. Voyons un peu ce qu'elle fait. Alors, méga frappe! Yeah! Wow! Comment t'as fait ça? C'est la manette que j'ai eue au marché. Il faut la charger en enchaînant les attaques. Et ensuite, on peut lancer une méga frappe. Ainsi soit-il. Et voilà un super pouvoir de plus dans mon arsenal. La méga frappe n'est pas tout à fait ton super pouvoir, tu sais. Dis-lui, Bria. Pour être honnête, Thunderpant, j'aurais jamais pu faire la méga frappe sans toi. Donc, techniquement, t'as raison. Blablabla, rêve de bavardage. Encore quelques attaques de plus et ma manette de méga frappe sera elle aussi chargée. J'y crois pas. Il en a une aussi. Changement de plan, Thunderpants. Fais-nous donc un de tes super discours de super-héros. Vraiment? Maintenant? Ouais! Et un grand pouvoir et un super brushing impliquent de grandes responsabilités. C'est pour ça que je ne suis jamais à court de gel et que je ne fuis jamais d'un combat. Fuis! Maintenant, Thunderpants! Certains verront ici un Split Strike, mais moi, je ne vois que justice rendue. Ouais. J'en reviens pas comment Thunderpant a démoli toute son équipe. Et moi, j'arrive pas à croire que j'ai pas une manette de méga frappe. Il m'en faut une tout de suite. Trop tard. On a acheté tout le stock.
Je le supporte pas, ce type. Peu importe comment tu te bats, je vais te faire souffrir. Changement! Chugs? Non, bonne perneur. Tu veux un bout? C'est du saumon. Les ours adorent ça, non? Alors, goûte ça. Changement! Attendez, il se passe quoi là? C'est le mode Trip Strike Team. Ça permet aux joueurs d'alterner entre leurs trois guerriers à n'importe quel moment du match. Ne manquez rien de l'action en nous suivant sur Cabnet. Je rêve ou Bria essaie de me voler la vedette? Peut-être bien. Dans un match à trois classique, un joueur n'est autorisé à changer de guerrier qu'après un ultime split strike. Par contre, dans le mode Triple Strike Team, on peut changer de guerrier à tout moment. Comme nous allons le voir bien assez vite dans la partie Triple Strike Team du prochain match de championnat de Jet. Fire Strike, Turbo Chucks, Shades et Angry Astrid. Vous êtes prêts, les amis? Et ton adversaire a choisi Overboard, Captain Plunderfoot et Dark Spike. Oh, regarde! Tous tes guerriers sont sortis de leurs pièces pour faire équipe! C'est ça, la camaraderie! Coucou! Hey! Un peu de sérieux, là! On est au championnat d'Akedo, je vous rappelle! Vous croyez qu'ils font les idiots, les autres? Ce narval pourrait être notre grande baleine blanche! Je suis Dark Spike, ni blanc, ni baleine. Je suis une licorne. Ça fera l'effet. Allez, en vue, moussaillons. N'oublie pas, Jet, c'est victoire par KO. Le premier joueur à infliger un split strike à chaque guerrier adverse gagne. Oui, si c'est rigolo, ne se mettre pas KO tout seul avant. À l'attaque, split strike. Génial! Allez, maintenant, prends Angry Astrid pour qu'elle bloque le coup de pied de Captain Plunderfoot avec son marteau. Calmos, vieux, hein? Bah, tu vas nous donner le... Par la fureur du dragon aquatique! C'est quoi ce délire? C'est donc des jeux vieux! Non, ça c'est l'arc-en-ciel sombre. Il faut le tirer de la Jet! Changement! 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 Split Strike! Attends, mais il se passe quoi là? Tu changes trop vite de guerrier. Ça sert à rien d'aller aussi vite. Le plus important, c'est d'envoyer le bon guerrier au bon moment. Changement! Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un changement! Split Strike! Il ne reste plus que toi, Chucks. Changement! 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 Je suis censée faire comment, moi, pour gagner ce Triple Strike Team? Bats-toi comme ton adversaire. Elle envoie chaque guerrier pile au bon moment et elle utilise les pouvoirs de chacun pour, t'écraser. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire, alors. Oh, la prochaine fois. Split Strike! Désolé, Jet. C'est victoire par KO et tous tes guerriers sont... KO, je sais. J'allais dire éliminés. Envoie-moi ce narval par le fond, moussaillons! Je suis une licorne.
T'as peut-être perdu, Jet, mais on peut au moins dire que t'auras pas à subir ça. J'adore Akedo. Oh yeah, je suis le champion. Et moi, je suis au sommet de la chaîne alimentaire. Split Strike. Bien joué, Tellui. On ne faisait que s'échauffer. En avant, Boutup. Chargement, Split Strike. Échec, Split Strike. Alors ça, c'est le genre de pouvoir qu'il nous faut pour la vraie tempête de pouvoir. Pouvoir, tu dis? Tellwhip en mode trimorphiste est fort. Mais comme je l'ai démontré avec mon taux de victoire de 99%, le savoir, c'est le vrai pouvoir. Alerte, joueur Cub et Briard. Votre compte est suspendu 24 heures pour modification illégale de Tailwhip et Shredibert. Partez dans les 5 minutes ou vous serez banni. Avis. Sérieux? Non, c'était rien de plus qu'un accident. Bon, d'accord, pas tout à fait, mais... on est désolé. Oups, pardon. On ferait mieux de partir. Hey, t'as encore un peu de temps, je te propose ça. Le prochain Speed Strike gagne. Alors moi, quand je modifie mes guerriers, c'est de la triche et je perds mon équipe. Mais quand ces rigolos font pareil, c'est rien de plus qu'un malheureux accident. Oh, c'est ce qu'on va voir. Les nouvelles techniques de Tellwhip sont fortes, mais ridiculement prévisibles. Non, c'est pas ça. Peut-être que si je... What? Ces espèces de noobs et cervelis arrivent, alors moi... Une seconde. Y'a un truc qui cloche, là. Glitch Blade. Destruction. Parfois, la flamme vacille, mais jamais ne s'éteint. J'ai trouvé! Si on fait un Split Strike à Tailwhip, on pourra peut-être accéder directement à son code. Il faut filer, Bria! Faudrait pas que tu perdes tes guerriers. Je compte sur toi. Crois-moi, t'as pas envie de finir comme le dernier serpent qui a osé me décevoir. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut... Que tu t'en ailles, je suis bien d'accord, oui. Il nous reste 90 secondes pour vous régler votre compte pour de bon. Si tu veux la jouer comme ça, alors... Prêt à l'attaque, Split Strike! Rends-toi, créature primitive de seconde zone. C'est moi, le guerrier le plus évolué ici. Seuls les faibles ont besoin d'évoluer. Je suis déjà parfait tel que je suis! Non, Tellwhip, fais pas ça! T'as fait cette technique dans le combat numéro 724 contre Squidlips. Et dans le numéro 862 et 865. Hé! Reste concentré, Bugtooth. Non! Attends mon signal! Il connaît toutes nos techniques. Je te connais dans les moindres détails, Tellwhip. Je peux prévoir tes mouvements avant même que tu ne les fasses. Oh! Alors t'étais pas trop trouillard pour attaquer? Seulement trop malin? Précisément! Tu savais que t'avais aucune chance de le toucher, alors t'as attendu? Non, je l'aurais touché si j'avais voulu! Oh, vraiment? Oui, bien sûr! Absolument! Bugtooth! Alors, prouve-le! Avec plaisir! Allez, on envoie la sauce, Tellwhip! Une cervelle de fossile comme toi a été plus maligne que moi. Ce n'est pas dans ta nature. Mais la défaite est dans la tête. Tu n'as rien compris, Bria. J'ai besoin de ce Tailwhip. Sinon, ce sera la fin d'Akedo. Tes manigances ne prennent plus, Ward. C'est fini. Allez, salut! Comment il est arrivé là, d'ailleurs? Non! Pas d'inquiétude. C'est comme le combat numéro 1789!
Non, c'est trop tard. La tempête de pouvoir dégénère. C'est un double ultime split strike. On n'avait encore jamais vu ça dans Akeno. Et ça aussi, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à court de commentaires à faire là. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Regarde un peu par ici. Il y en a aussi là. Ça ressemble à une tempête de couleurs et de pouvoir aussi. Des couleurs surpuissantes, quelle surprise. Une tempête de pouvoir. C'est une nouvelle mise à jour du jeu. Yes, on va déchaîner la tempête de pouvoir. Hey, Axel est devenu un viking tout droit sorti du blizzard. C'est trop cool. Puisse le soleil de minuit me conférer sa puissance de glace. Pride Art est devenu un chevalier étincelant. Un peu trop d'ailleurs. Et ses Bat Strike Shreddy Bear, il est trop rare. C'est trop génial. Ne vendez pas la peau de l'ours, sinon c'est lui qui vous fera la peau. Hey, vous avez vu la tempête de pouvoir? Oh que oui. Jet, quand toi et Ward vous vous êtes infligé un split strike en même temps, tout a changé. Regarde. Je ressens le pouvoir de la terre qui coule dans mes veines. Je suis un guerrier de la terre. Je suis une guerrière de feu. Et toi, un guerrier terrifiant? Freddy, sors de la nuit. Et Chuck s'est devenu un guerrier de la foudre. Ça marche, ce truc? Nouvelles armes, nouveaux guerriers, nouveaux pouvoirs. Je crois que vous savez où est-ce qu'il faut qu'on se rende. Direction le marché. Regardez ces boot-up. Ben Burner, Briny. Eux aussi, ils ont des pouvoirs élémentaux. Boot-up, c'est la foudre. Ben Burner, le feu. Et Briny, c'est l'eau. Regardez par là. Dark Spike, Weak Stick. Max Snapper, la classe. L'ombre, la lumière, la terre. Moi, je veux celui-là. Je m'attendais pas à ça, tiens. Pourquoi? Il est trop génial. Et puis, j'avoue que les pandas, c'est mon dada. Mais non, je voulais parler de ça. Ces pouvoirs élémentaux, on dirait qu'ils ont aussi gagné des capacités élémentales. Vous voyez? Shreddy fait 2 points de dégâts supplémentaires aux guerriers de la poudre, comme Chucks. Jet, tu devrais t'entraîner avec Cub. T'es là, Jet? Désolée. Il va y avoir une annonce sur mon match nul avec Ward. Le gagnant aura le droit de se rendre au championnat d'Akedo. Je vais m'entraîner avec toi, Bria. Et je diffuserai tout ça sur le Cubnet. Les 10 premiers spectateurs auront droit à une dédicace en direct. Prêt? À l'attaque? Tempête de pouvoir! Oh, t'as un méga fouet, Elwip! Ouais, à l'attaque! Split strike! Oh, t'as vu ça, Jet? Allez, fais une pause, Jet. On aura le résultat bien assez tôt. C'est bon, ça y est! Alors, et si on essayait les capacités de la tempête de pouvoir, Bria? Eh bien, les capacités d'Alpha Predator Tailwhip sont seulement efficaces contre les autres guerriers de la Terre. Il me faut quelqu'un qui a des capacités contre les guerriers de l'ombre. T'as vraiment choisi Captain Plunderfoot avec des stats pareilles? Il va lui falloir 3 split strikes pour gagner. Shreddy en a besoin de 2. Attends un peu, tu vas voir. Tempête de pouvoir! C'est quoi ça? Ça, c'est la vraie tempête de pouvoir. La morsure du piège à ours! Tu nous remarques enfin. Bria, tu veux bien me parler de la capacité spéciale de Shreddy? C'est indiqué sur sa pièce. Shreddy ne peut utiliser sa nouvelle capacité spéciale que contre les guerriers de la foudre. Attends, je vais te trouver ça. Voilà. Thunderwing? Il a fait de la gonflette à mon avis. Regarde ses stats, Cub. Hey, à l'attaque, split strike! Génial! J'ai 2 points de dégâts supplémentaires. Ça sort d'où? Essaye de deviner. La tempête de pouvoir! Quand Shreddy affronte un guerrier de la foudre comme Bolt Strike Thunderwind, il a 2 points de dégâts en plus grâce à sa capacité. T'as compris, là? Compris!
Split Strike, 5 points de dégâts, et je l'envoie au tapis. Normalement, il fallait 3 Split Strike, mais moi, je l'ai eu en 2. Je n'ai eu qu'à déchaîner la tempête de pouvoir. Oh, l'audience de Cubnet décolle, tout le monde regarde. Oui, sauf Jet. Pourtant, il faut qu'il apprenne les nouveautés de la tempête de pouvoir. Wow! Je rêve? Ou t'es qualifié pour le championnat d'Akedo? Génial! Ils ont qualifié à la fois Jet et Ward. Il est temps d'aller disputer ton premier match de Ligue Pro. En route! Wow! Regardez, c'est les meilleurs joueurs de tout Akedo! Et je vais pouvoir jouer contre eux! À commencer par... Atlas! 3 victoires au championnat d'Akedo au compteur avec un taux de victoire de près de 80%! C'est une vraie légende! Bon, eh ben, te mets pas trop la pression? Ça va, je gère la situation. Je ne suis pas arrivée jusqu'ici pour perdre mon premier gros match. Prêt? À l'attaque! Speed Strike! Shockwave Chucks va ouvrir le bal, qui d'autre? Ensuite, Ice Storm Axel, une valeur sûre. Et enfin, la surprise du chef, le commandant Panda! On a le droit à 15 points de guerrier au total. Moi, je les ai pris. Pourquoi n'en utiliser que 12? Utiliser ses capacités de la tempête de pouvoir permet d'améliorer ses stats. C'est justement ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure avec Cub. T'écoutes rien? Si, si, bien sûr, j'écoutais ce que tu disais. Tu crois quoi? Enfin, si on veut. Bon, je verrai ça pendant le match. Prépare-toi à l'onde de Chucks. Je suis une vraie pile électrique. Je mets le feu, j'embrase le stade, craignez-moi, je suis l'extincteur. Prêt à l'attaque, Split Strike, tempête de pouvoir. Oh, attendez, pourquoi ces stats augmentent? Ça, c'est la tempête de pouvoir. C'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Shockwave Chucks est un guerrier de la foudre. La tempête de pouvoir donne à l'extincteur une capacité qui lui confère un bonus de 2 points de dégâts contre les guerriers de la foudre. C'est pas bien de jouer avec le matériel de sécurité incendie. Je ne joue pas. Je vais t'infliger une extinction. C'est mon premier match de ligue et il ne lui reste plus qu'un Split Strike à faire pour envoyer mon Chucks au tapis. Split Strike! Split Strike! Chucks était mon meilleur guerrier, le plus fort de tous! Axel? Non! L'extincteur a aussi un bonus de 2 points de dégâts contre les guerriers de l'eau. Par contre, il n'a aucun bonus contre les guerriers de la terre. En plus, c'est bien connu, tout le monde adore les pandas. Mais t'es toujours mon gros nounours, tueur préféré, Shreddy. J'ai encore jamais joué avec le panda avant. Je veux seulement qu'il vienne finir le travail après Chucks et Axel. Alors... Je vais déclencher une nouvelle hache de glace. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis l'extincteur. Et comme un vulgaire feu de paille, je vais t'éteindre. Split Strike. Non, c'est pas possible! Tout cet entraînement, tous ces combats, tout ça pour en arriver là et échouer maintenant! Ne te fais pas de soucis. La tempête de pouvoir va jouer en faveur du commandant Panda. Prêt à l'attaque, Split Strike! L'extincteur n'a aucun bonus de dégâts face aux guerriers de la Terre comme le commandant Panda. Ça signifie que son score de dégâts redescend. Alors ça, c'est ce que j'appelle un coup de maître. Attention, le prochain c'est Cryo Prime. Cryo fait normalement 4 points de dégâts, mais il a un bonus d'un point contre les guerriers de la Terre comme le commandant Panda. Prêt à l'attaque, Split Strike! Tempête de pouvoir! Oh, oh non, pas encore! C'est pas vrai! Il suffit d'un Split Strike pour le battre. J'arrive pas à croire que tu te retrouves face à face avec Cryo Prime. Il a 3 visages. Split Strike! Yes! J'ai encore réussi! Je crois que cette fois, je tiens le bambou! Prêt à l'attaque, Split Strike! Tempête de pouvoir! Enfin une bonne nouvelle! Il était temps quand même! Thunderpants est un guerrier de la foudre. Commandant Panda a 1 point de dégâts bonus contre les guerriers de ce type. C'est bien moi, Thunderpants. Je suis le plus grand héros de tout l'univers d'Akedo. Je suis venu vous sauver de... Split Strike!
T'as vu ça? J'ai détruit ses points de santé. Je crois que je commence à comprendre. Merci la tempête de pouvoir. Attention à sa décharge électrique. Blitzstrike! Le prochain Split Strike gagne le match. Ah, ne craignez rien, brave citoyen. Votre fidèle super-héros est là pour vous aider. Il se bat pour la vérité, la justice et pour défendre l'art d'Akedo. Split Strike! L'art d'Akedo s'arrête ici pour toi. C'est ça, la tempête de pouvoir. Merci, Bria. J'aurais jamais réussi sans ton aide. Et la tienne aussi, Cub. Et moi non plus. Tout ce que je sais sur la tempête de pouvoir, je l'ai appris en vous regardant sur Cubnet. Merci, Bria. Et merci, Cubnet. Yes! Alors ça, c'était vraiment trop génial. Bien sûr que oui. C'était ma toute première victoire dans le championnat d'Akedo. Non, je parlais pas de ça. Je parlais du fait qu'Atlas, la superstar, a remercié Cubnet. Wouhou! Ouais! Bien joué. La prochaine fois, je viendrai combattre avec mon nouveau guerrier. Regardez ça. Salut, mon frère. Shades, c'est bien toi, mon frère? Jax, attends, tu as un frère, toi? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? J'ai mes raisons pour ça. De très bonnes raisons. Blitzstrike! L'ombre. Blitzstrike! La lumière. Blitzstrike! La terre. Blitzstrike! L'eau. Blitzstrike! Le feu. Il ne reste plus qu'un seul élément. La foudre. C'est pas censé être le moment où une porte magique s'ouvre pour nous mener en dehors des limites du monde jouable. Je vous jure, je vous ai pas menti. Mes recherches ont dû être... Ben voilà. Alors, vous venez ou quoi? Oh hey, lâche-le tout de suite. Comment t'as appris l'existence de cet endroit, Ward? J'ai mis la main sur des documents préparatoires à la création d'Akedo. Laisse-moi deviner, pour pouvoir tricher. Va savoir. Enfin, bref. Akedo est rempli de lignes de code parasites issues des versions précédentes qui n'ont pas été supprimées dans les mises à jour. Ces lignes de code ont créé Lord Shifta. L'ombre de Shifta plane sur le jeu depuis des années. Il absorbe en secret des pixels et de l'énergie élémentale à chaque split strike. Quand Jet et moi, on s'est infligé le split strike simultané, ça a déchaîné la tempête de pouvoir. En faisant ça, on a libéré Lord Shifta. Maintenant, il est parti pour dévorer tout Akedo, sauf si on fait quelque chose pour l'arrêter. Alors il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Arrêter Shifta et sauver le monde d'Akedo. Ouais, allons-y. Au fait, comment on arrête Shifta? J'en ai aucune idée, mais on verra ça une fois qu'on sera entré là-dedans. Bonne idée. Fonce dans ce terrifiant nuage bouillonnant d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le nuage se défend. Et apparemment, Shifta a le pouvoir de générer n'importe quel guerrier d'Akedo. Si Shifta se sent menacé, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Alors, allons-y. Prêt? À l'attaque, Speed Strike! Éclair de génie fracassant! C'est pas possible, ça n'en finira jamais! Les gars? Je n'ai qu'une seule chose à déclarer! Blitzstrike! J'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout! Il en vient sans arrêt! Wow, t'as raison. Le seul moyen pour faire une percée dans leur rang, ce serait que Cub utilise le pouvoir de Clawsome Shreddy et toi, celui de Tremorphis Tailwhip. Ces deux guerriers ont réussi à se transformer eux-mêmes. Leurs puissances respectives dépassent tout ce qu'on peut imaginer.
On dirait bien que je vais entrer en mode bestial. Petit ours à ingrat. Attaque. Blitzstrike. C'est par là. C'est si calme tout d'un coup. Je crois qu'on a réussi. Non, Keb, si c'est calme, c'est parce qu'on est dans l'œil du cyclone. Oui, je le savais, ça. On fait quoi maintenant, Ward? Eh bien, j'ai une petite théorie, mais ça ne va pas vous plaire. Jet et moi avons libéré Lord Shifta avec notre double split strike. Alors, si ça se trouve, il suffit qu'on le fasse à nouveau, mais cette fois à l'intérieur de Shifta. Souvenez-vous l'énergie qu'on a déployée. Elle a fait tout le tour d'Akedo. Si on refait ça ici, l'énergie sera coincée dans ce nuage. Shifta l'absorbera, réaction en chaîne, et il implosera à cause de la surcharge d'énergie. C'est une plaisanterie, j'espère. Les chances de réussite sont d'au moins 1 million contre une. Même pas, 1 milliard contre une. Je suis prêt à prendre le risque. Ward, on a causé cette pagaille, et maintenant, on va y mettre un terme. Prêt à l'attaque, Split Strike! Attaque éclair et style furieux. Keb, qu'est-ce que t'as fait à mon Chucks? C'est un guerrier, pas un top modèle. Désolé, Jet. Nouvelle rubrique sur Cubnet. Je montre à mes abonnés les différents skins de nos guerriers préférés. Il y en a encore des tonnes d'autres qui n'attendent que d'être débloqués. C'est super, Cub, mais moi, je dois me concentrer sur mon combat contre Ward. Ouh, le match retour contre ton grand rival Damien Ward, qu'on n'a pas revu depuis le combat qui a déclenché la tempête de pouvoir. Tu cherchais une bonne occasion de faire un résumé, à vous. Ouais, et maintenant, je sais exactement de quoi Jet a besoin pour son match. Quoi? Encore un défilé de mode? Non, c'est encore mieux. C'est une super nouveauté de gameplay dont j'ai appris l'existence sur Cubnet. Vous savez, ça vient de la dernière mise à jour. Bon alors, laissez-moi diffuser votre entraînement et je vous raconte tout ça. Prêt à l'attaque, Split Strike! Prêt à l'attaque, Split Strike! Alors, c'est quoi cette surprise, Cub? Bah alors, je te croyais experte en tempête de pouvoir. C'est le cas. Tu as peut-être découvert quelque chose que j'ignore, pour une fois. On sait jamais. Alors, t'attends quoi pour nous montrer, monsieur l'expert? C'était quoi? Ce truc? C'est la surprise! C'est un améliorateur de Speed Strike. Mes cubonnets américains ont envoyé des informations là-dessus toute la journée. Il y en a qui donnent des bonus de dégâts, de santé, de défense ou des pouvoirs trop cool. Et d'autres, bah... Ouais, celui-là m'a surpris aussi, j'avoue. Hein? La grenouille bafouille? Je pleure de rire. Ha ha. Je croyais tout savoir sur la tempête de pouvoir. Où t'as appris tous ces trucs, Cub? On n'a pas le même fuseau horaire, rappelle-toi. Quand c'est le matin chez Jet, c'est le soir chez Bria et le milieu de la journée chez moi. Donc je suis au courant de tout avant vous. On obtient l'amélioration qu'après un ultime split strike. Il s'applique ensuite au guerrier suivant dans un match à 3 guerriers. Par exemple, Cryo Prime a un améliorateur de split strike de 2 points de dégâts pour les guerriers de la foudre. Donc si tu as un guerrier de la foudre comme Thunderpants après, il aura l'amélioration. Et si on lui inflige un split strike à son tour, il a un améliorateur qui renforce les guerriers du feu comme Firefoot White Waves. Waouh, Cub! Je suis impressionnée. T'expliques super bien. Presque aussi bien. Presque aussi bien que toi, c'est ça? J'ai été à la bonne école, tu sais. Bien sûr. Moi, j'aurais ajouté qu'il est important de connaître les améliorateurs de ses guerriers avant de les choisir pour un match officiel. Oui, bien sûr. J'allais justement le dire. Mais étant donné que ce n'est pas un match officiel, j'ai décidé d'utiliser de nouveaux guerriers. L'améliorateur de Tailwhip donne un bonus d'un point de dégâts aux guerriers de l'ombre. Alors maintenant, je vais jouer Shadowfire Nightblade.
Il gagne un bonus de dégâts grâce à l'améliorateur. Et grâce à sa capacité spéciale, il a aussi un bonus contre les guerriers de la foudre. Quoi ? On peut cumuler capacité spéciale et améliorateur ? Sacrée surprise, hein ? La frappe de l'ombre et du feu ! Il a réduit mes points de vie en miettes ! Tout ça grâce au combo d'une capacité spéciale, d'un améliorateur et d'un talent hors du commun. L'acération des ombres ! C'est que ceci a un améliorateur. Miroir de points de vie pour les guerriers du feu. J'ai plus qu'à trouver un guerrier du feu. Wow, il y a un trophée qui s'appelle le style furieux. C'est vrai? Ça vient de ton défilé de mode, Cub. Et ça débloque un nouveau guerrier. Fire Strike Turbo Chucks. Qui sait quel genre de pouvoir surpuissant il peut avoir? Oh, moi, je le sais. Ward. C'est bien moi, ouais. Et ton Loser Strike Turbo Chucks ne pourra jamais vaincre mon tout nouveau Shadow Strike Glitch Blade. Avant que le monde ne change à jamais, je comptais parmi les plus grands boxeurs. Mais les trophées n'ont aucune valeur sur ces terres dévastées. C'est pourquoi j'ai fait fondre mes ceintures d'or pour devenir Buster Bling. Mi-homme, mi-castagneur cybernétique, 100% grabuge. Oui, ok. Ça faisait déjà longtemps qu'on le savait, ça. On jouait ensemble dans Akedo. Regarde. Nous, on veut savoir comment t'es devenu un super splitter. Raconte-nous tout, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chut. Attendez, il a pas fini son histoire. Oui, donc comme je le disais, j'ai combattu les démons de l'apocalypse de jour comme de nuit, jusqu'à me retrouver face à leur maître, Monsieur Splitz. Un épouvantable mélange entre un mutant infecté et un expert comptable. Je vais t'écraser comme une mouche, et ensuite, je taxerai tes revenus fiscaux. Je suis libre. Bon, que quelqu'un appelle les ressources humaines. Je suis rentré de mes RTT et je peux savoir où est mon café latte. Je crois que je l'ai cogné assez fort pour expulser l'infection de son corps et la transplanter en moi. C'est comme ça que Buster Bling est devenu Buster Splitz. Wow. Ça tabasse, hein. Bim, boum, boum, boum. Un bon pif. Si j'ai bien compris, il a un côté cybernétique qui carbure à la lumière et un côté qui carbure à l'ombre, qui serait plutôt un genre de monstre. C'est ça. Et les deux s'affrontent pour prendre le contrôle. On va combattre pour le meilleur et pour le pire. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis l'âme de la forêt et je suis l'esprit du feu. Prêt à l'attaque, Split Strike. On va livrer un combat loyal. Ça ne m'empêchera pas de faire des coups bas. Hé, hey, c'est pas du jeu, ça. Tant mieux, je préfère jouer comme ça. Buster, oh, perds pas ton temps à grogner. Et à faire des bruits de robot. Il faut que tu rassembles tes forces maintenant. T'as conscience que c'est un peu cocasse de demander ça à un super splitter? Surtout quand ces deux éléments, c'est l'ombre et la lumière. Est-il gentil ou méchant? Il est tiraillant entre le bien et le mal. Je sais bien, oui. Mais Burn Down arrive très bien à combiner ces deux éléments, lui. Et alors? Tu peux y arriver aussi. Ok.
booster de lumière. Analyse tes points faibles avec ton œil cybernétique. Excellente idée. Comme ça, je sais où éviter de cogner pour que ça reste loyal. Oui, c'est ça. Et maintenant, booster de l'ombre. Utilise ton monstrueux point mutant et frappe là où ça fait mal. Attends! Laisse-moi t'aider! Subir un Split Strike! Split Strike! Ton match a enflammé le Cubnet, Jet! Même Ward a laissé un commentaire. Il dit que... que c'est lui qui t'a secrètement conseillé, Buster. Hein? Bizarre. Attends, il a dit quoi, là? Alors c'est lui qui t'envoyait des messages anonymes depuis tout ce temps? Peut-être bien. Mais pourquoi il aurait fait ça? J'en sais rien. Mais on va le découvrir. Tous ensemble. Sur le Cubnet! Je voulais dire tous ensemble. Enfin bref, est-ce que vous êtes tous prêts à l'attaque Split Strike? J'allume le feu, je deviens dangereux et je te dis adieu. J'ai assez pour acheter un nouveau guerrier. Tu vas encore prendre un guerrier dans le style de Bolt Strike Thunderwind? Brave guerrier, sage sorcier. Hein? Bah oui. Et tu joues aussi avec Firefoot White Wells. Elle est profonde et complexe. Et Tailwhip, le dinosaure parlant le plus poli que je connaisse. Enfin bon, faut dire que c'est le seul aussi. Où tu veux en venir? Bah, la plupart de tes guerriers sont intelligents et raffinés. Et si tu choisissais un guerrier comme... voyons voir... Thunderpant. Il est pas tout à fait ce que j'appellerais intelligent et raffiné. Non, mais il serait parfait pour composer une équipe à 15 points. Réfléchis, Alpha Predator Tailwhip vaut 5 points, Captain Plunderfoot en vaut 6, et Thunderpant, 4. C'est presque rien. Je suis également un fier défenseur de la vérité, de la justice et de l'art d'Akedo. Waouh, c'est quoi ça? Eh bien, c'est ma pose de la victoire, quelle question. Impressionnant, non? Non, je parlais de ce truc-là. La manette de méga frappe, gros balourd. Tu as dit balourd, tu voulais plutôt dire balèze. La petite souris va récolter tes dents à la source. C'est qui cette souris des glagos? Bug tous, ses stats sont parmi les meilleurs d'Akedo. Captain Plunderfoot, avec ta capacité spéciale, t'as un bonus de 3 points de dégâts contre les guerriers de l'ombre comme lui. Cet énorme rat de potence va aller nourrir les requins froid pirates. Continue, Plunderfoot. Chaque coup recharge ma manette de méga frappe. Split Strike. Tiens donc, un Rattus Maximus. Encore une espèce qui est sur le point de s'éteindre sous les coups de mon méga fouet. Au moins, son améliorateur donne un bonus contre les guerriers de l'ombre. Oui, mais la capacité de Bugtooth lui donne un point de dégâts en plus contre les guerriers de la foudre comme Thunderpant. Prêt à l'attaque, Split Strike! Rends-toi, crapule, avant que je ne te fasse fondre avec mes yeux laser et que je ne t'écrabouille avec mes pouces interdimensionnels. Ok, Thunderpant. Oublie les super-pouvoirs et contente-toi de le frapper. Ainsi soit-il, tu t'apprêtes à subir une décharge de justice. Ma manette de méga-frappe est chargée. Voyons un peu ce qu'elle fait. Alors, méga-frappe. Waouh! Comment t'as fait ça? C'est la manette que j'ai eue au marché. Il faut la charger en enchaînant les attaques.
Et ensuite, on peut lancer une méga frappe. Ainsi soit-il. Et voilà un super pouvoir de plus dans mon arsenal. La méga frappe n'est pas tout à fait ton super pouvoir, tu sais. Dis-lui, Bria. Pour être honnête, Thunderpants, j'aurais jamais pu faire la méga frappe sans toi. Donc, techniquement, t'as raison. Blablabla, rêve de bavardage. Encore quelques adaptes de plus et la manette de méga frappe sera elle aussi chargée. J'y crois pas. Il en a une aussi. Changement de plan, Thunderpants. Fais-nous donc un de tes super discours de super-héros. Vraiment? Maintenant? Ouais! Et un grand pouvoir et un super brushing impliquent de grandes responsabilités. C'est pour ça que je ne suis jamais à court de gel et que je ne fuis jamais d'un combat. Fuis! Maintenant, Thunderpants! Certains verront ici un split strike, mais moi, je ne vois que justice rendue. Ouais. J'en reviens pas comment Thunderpants a démoli toute son équipe. Et moi, j'arrive pas à croire que j'ai pas une manette de méga frappe. Il m'en faut une tout de suite. Trop tard. On a acheté tout le stock. Je le sais.